Mais sûrement tenter plutôt Renault. Renault, c'est mon frérot. Et double crochet, clairement pas. Ouais, vas-y, Renault. Où est-ce qu'on peut trouver... pour l'instant, c'est plus sur Twitter, les joueurs qui décident de poster leur line-up. Sinon, tu pourras les retrouver sur... Les sur le bracket critères du à cet tournoi, tout effet ont simplement. déjà été établis. Regardons les Alors, en récits termes des de anciens token, on peut anciens. espérer le Murloc. Je pense que je vais juste prendre ça, parce que bah, c'est la meilleure créa à avoir T1. Et je pense pas que je frise ça, parce que... Idéalement, mon token, je le veux... Dans 2 tours. Là, ce que je veux, c'est avoir une autre créa solide. Genre un petit mecha ou une paire de ça. Et dans un tour, je veux... Bah après, je veux le token, quoi. Début de la séquence de combat. Victoire! C'est important de... On a un buddy de taverne 2, donc c'est important de gagner nos fights en early, de manière à essayer de le récupérer le plus vite possible et pouvoir bénéficier du tempo qu'il apporte. Je comprends qu'un tel succès compte Ah, beaucoup dans j'aime votre bien famille ça. immortelle. En vrai, c'est sûrement un bon achat. Mais je me vois mal freeze parce que du coup, ça veut dire ne probablement pas avoir de token. C'est un peu tendu de pas avoir de token. Mais l'achat est cool. Je vais l'acheter, je vais mettre un roll. Oh! Des tokens. Let's go. Let's go les bons tokens. J'espère qu'il a pas un robot toutou. Non, ça va, il avait deux bêtes. J'ai Après, il a pu peut-être rajouter un mérité un robot signal toutou, de votre peut-être. réussite. Pas le robot Tirez toutou, pour le please. dispositif. Ouh, la vilaine hyène. Dans la hyène. Ok. Hey, c'est parfait ça. Ça se met bien pour nous. On a mis beaucoup d'attaques. On a notre match nul. J'aime saut. J'aime saut, j'aime saut. Même si je ne compte pas vous révéler l'issue de cette bataille, Alors. je suis certain que vous le trouverez exaltante. Faites ça. On vend quand même lui plutôt, je pense. On pourrait vendre lui, mais... Je suis pas sûr que j'aurai la place sur le board pour... Ouais, non, je vais jouer le max power. Jouons comme ceci. On fait une game sans faire HPT scolaire. Arrêtez, c'est rare en plus que je fasse HPT scolaire avec Reno. D'ailleurs, j'ai fait un top 1 avec Reno, j'ai HP Hospice. J'avais HP Hospice et j'avais mis tout à droite un jongleur d'âme qui était du coup rendu doré par mon buddy. J'ai développé un intérêt C'était irrationnel pas pour mal. votre réussite. Continuez pour une analyse plus approfondie. Oula, ça va aller où ça? Ok. On peut perdre si ça se met genre très mal. Yes. Mais c'est bon. On aurait pu, mais c'est bon, on s'en sort. Du coup, ça veut très probablement dire buddy prochain Réveillez-vous au sommet de ces tour. batailles. Bon, là, on va juste Je suis acheter certain que vous le 2, hein. trouverez exaltante. Je vais acheter lui, très probablement. Et derrière, j'achète qui? La gemme ou le murloc? C'est peut-être bien de prendre la gemme. Et j'ai même pas envie de la jouer tout de suite si je la prends. Après, le Murloc gagne plus souvent le fight. Mais la gemme, j'aurais moins de remords à juste la revendre et je peux la jouer un peu où je veux. Je pense d'ailleurs que je vais pas la jouer ce tour. Je pense que ce tour, juste je la keep. On va jouer comme ceci.
J'ai développé un intérêt irrationnel pour votre réussite. Continuez pour une analyse positive. Ok. Ah, dommage, c'était pas le hit que je voulais, ça. Là, faut que ça tape à gauche. Oh là là. Jamais le hit qu'on veut ici. Bon, on prend quoi? On prend 4 points de dégâts contre un Yogg. Bon, mine de rien, moi j'ai pour l'instant pas utilisé mon pouvoir. C'est assez logique de perdre. J'ai pas beaucoup de paires. Mais je pense que dans tous les cas, là je suis amené à juste up-up. Hein. Qu'est-ce qu'on met à droite? On met lui. C'est ce qui va gagner le plus de stats. J'ai pas trop envie de faire une crack-bull curve. Bah surtout qu'à la limite si j'avais une autre paire, mais là j'ai même pas d'autre paire quoi. Donc me tente pas trop la crack bull curve. Tant pis, on n'a pas eu notre triple. On va jouer en tempo et cette gemme... Je peux la jouer là-dessus en vrai. Je peux. Sinon, juste la garde. Hein. En vrai, je vois pas l'intérêt de la jouer là. Onyxia qui perd ses fights. Ah oui, non, mais ok. Elle a perdu parce que c'était Roi Lich. C'est fort aussi en mid-game. Votre stratégie a déjà déterminé le résultat. À présent, observons. Oh, il... attends, elle a déjà le. Ah oui, c'est un taverne 2. Qu'est-ce que je raconte? C'est plutôt normal en fait qu'elle l'ait déjà dit. Quoi. Logique. Ouais, son buddy qui... Bah, qui est plus fort que le nôtre, hein, tout simplement. Donc on va prendre. Ah, en tempo, il est plus fort que le nôtre. Le nôtre peut avoir d'autres utilités. Porte-bonheur, bah pour un... Oh bah vous aviez raison, elle porte bonheur celle-là. Bien vu. Bien vu, bien vu les mecs. On va chercher un 5. Hein. En 4 on a quoi? Ah non, en 4 on a même pas le truc des LM. En 5 on peut avoir Mama, ou Bran, ou Agem. Ouais, on va chercher un 5 tous les jours. On vire ne passera probablement que peu de temps avec vous. Ça, de bien le traiter. Ça, HP. Le taux équitable pour cette transaction est précisément d'une pièce d'or. Fuck. C'est vraiment lui mon pic là. Mais je vais pas vouloir le HP quand même, lui. J'ai pas envie d'HP ça, hein, je vous le dis. Je vous préviens tout de suite. Je pense pas que je mette la gemme tout de suite. Oh, quelle horreur. Bon, après, ça, de toute façon, c'est un fight qu'on peut pas gagner. Ah, le bâtard, il veut nous mettre masse dégâts, du coup, avec son énorme connerie. Parce que, du coup, tout ça, ça survit. Oh, le Daryl assassin, je le déteste. Il est allé danser là sur son taunt et du coup, on prend tous les... Oh, le salaud. Laissez libre cours à votre enthousiasme pour le... Ah ouais, mais là, on a HP quoi, du coup, les frérots? Là, c'est la merde. Hein. On a blanc note 5, rip. Je veux pas vraiment de ça. Si je up, je vais être trop lent. Hein. Je sais pas. En vrai, il nous faut juste des bonnes créas. Mais ça, j'estime que c'est pas une très bonne créa. L'hydre, ok. Bon ben... Faut bien que j'utilise mon pouvoir un jour. Hein, parce que si on finit cette game et que j'ai jamais utilisé mon pouvoir, ça va pas le faire. Et là, je vois une ligne de play qui s'envisage. Ah...
L'adaptation, hein. On pourrait donner taunt à lui. Et on met quoi tout à droite? Non, je préfère avoir une bonne créa à mettre tout à droite. C'est pas une prio le taunt. Ok, ce rôle est incroyable. J'ai pas vraiment envie de lui parce que j'ai déjà mon hydre que j'aime bien booster. Mais par contre, ça on prend. Votre stratégie a déjà déterminé le résultat. À présent, observez. Oh non, du coup j'ai qu'une gemme. Salaud! Ah le salaud! Il me fait pas plaisir lui. Allez, un bon cleave. Raisonnable, raisonnable. Oh non, ce hit! Oh, s'il vous plaît, pas ça. T'es close, t'es close. Le problème c'est qu'on a qu'une gemme et en plus on prend la défaite quoi. Pas une bonne opération tout ça. Je pense pas que je prenne lui. Après, on pourra le transférer plus tard et au moins ça booste tout. Ouais, si je prends sûrement lui en fait. On vire quoi? On joue sans le taunt? C'est ballsy de jouer sans le taunt quand même. Je pense pas que j'achète ça. Après, il met des grosses stats, mais. Il faudrait un taunt. Je regrette maintenant. Enfin, je regrette non, parce que du coup, j'ai eu ça. Donc, on trouvera juste un transfert de gemme à un moment pour jouer ça là. En soi, là, on est contre le mort. Le mort, il va pas me faire des dingueries ici. Je peux chill, je pense, contre le mort. Après, dans tous les cas, j'ai besoin de vendre un truc pour jouer le deuxième fondeur. On va jouer sans taunt, il va pas me faire de dinguerie. En l'occurrence, il me fait des dingueries, je suis vraiment triste. Ah mais attends, mais il a juste concédé sa game, lui, en fait. Ok. Je pense que je peux me contenter de jouer comme ça. Ah, je suis loin d'être faible, donc je pense que ça le fait. De jouer comme ceci. Heureusement que tu joues le mort. En vrai, je pense que là, on aurait pu jouer n'importe qui, hein. Genre, juste là, j'aurais joué en full power, en vendant le bronze Quen, en faisant le tremble-terre. Je boostais tout mon board. Je pense que j'étais prêt à jouer n'importe qui dans le lobby, c'était pas un problème. Ça ne me dérangeait pas. Va falloir qu'on réussisse à trouver plus de boucliers divins. Et. Ouais, faudrait un Argus pour donner taunt à ça, ou alors à la limite un maître chien. Maintenant, j'ai changé d'avis, je veux le maître chien, s'il vous plaît. Oh, j'ai vraiment doré un cochon, quoi, dans cette game. Quelle horreur. Hagem, ouais, mais Hagem c'est taverne 6, moi je suis pot taverne 6 moi. Ah mais attendez, je peux peut-être l'avoir sur... Oh je récupère mon buddy. Ok, one time, Hagem. Mais du coup c'est bizarre de jouer... Ah bon, de toute façon on n'aura pas le choix, hein, mais... Alors, on joue ça... C'est de la demeure, hein. Est-ce qu'on veut un... Non, je veux pas particulièrement un SI sceptique, on va juste prendre l'écho je pense. Yep. Bon, allez, vite. Ça, c'est fine. Ça, c'est fine aussi. Un autre bouclier divin. Bon, on peut avoir mieux que ça. Ça, c'est nul. Je suis toujours à la recherche d'un taunt. Hein. Si on veut me donner un taunt, je prends volontiers. Je crois qu'il avait vraiment rien, lui, à prendre sur... Il avait vraiment du caca. J'ai même pas envie de lui voler des trucs si j'en ai pas besoin en termes d'écho. Ah, le déflecto. Ouais, mais j'ai pas la place pour le déflecto, en fait. Je
J'ai pas la place en fait. Tant que j'ai pas soit triplé ça, soit mis un taunt. C'est bizarre d'avoir E alors que j'ai qu'un bouclier divin. C'est très spécial quand même. Il est où le taunt? Bon là je vais y aller max power. Hein. Oh ça on veut. Ah oh, oui. Je suis pas obligé d'y aller max max power. Je pense que je peux me garder pas mal de gemmes. En vrai, le Brucan il fait un peu peur, mais. En fait, je pourrais me débarrasser de ça une fois que j'aurai triplé ça, mais tant que je le triple pas, c'est un peu compliqué. Mais je vais prendre de voir la Tej au prochain tour. On va mettre le transfert de ça du coup vers. Ouais, on va s'arranger. Début de la séquence de combat. Faut juste pas d'ail quoi là. Oh non, ça nous coûte 2 gemmes ce hit. Pas cool monsieur. Allez, le cleave il faut qu'il clutch. Oh le board des enfers que mon adversaire propose. Ça c'est vraiment un board de salaud, hein, je vous le dis. Je suis mort hein. Là, il y a le boa. Ah, je suis juste dead. Non, mais s'il vous plaît. C'est bon, on n'est pas dead. Oh, c'est toxique hein, ce que je viens de me prendre là. Oh, oh plus jamais, hein. Cette défaite était inéluctable. Je pense que je dois me débarrasser de ça quoi qu'il. Et jouer genre avec un deuxième bouclier. Mais genre ça je peux plus jouer avec. Elle est pas assez forte. Elle a pas assez d'impact. Ah, c'est ça, hein, j'ai pas de repop. Ah, oh, il est là, mais en vrai, je peux l'acheter, hein. Y avait une gemme là-bas, non, c'est bon. Ils appartiennent au passé. J'ai calculé que le taux équitable pour cette transaction est précisément d'une pièce d'or. Je vais avoir envie de ça. Ok. Ouais. J'imagine que ça, c'est l'ordre qui me convient. En vrai, contre Daryl, ça va être chaud. Je vais vraiment pas prendre une grosse défaite, mais je me vois pas gagner. En vrai, il a peut-être un petit taunt. Je suis ok de start avec ça. Peut-être même start comme ça, en Début fait. de la séquence de combat. Ouais, je pense que l'hydrant 1, c'est fine. Sommes-nous en vie? Ça me semble chaud. Après, il est quel niveau de taverne? 3. Faut juste pas qu'on laisse 4 points de dégâts sur le board. Qui est pas cool ça. Oh! Le trade que je viens de me prendre. Il fait faire des cauchemars. Oh, faut arrêter ça. C'est bon. C'est bon, ça se passe.
Top 4. Donc ça, je voulais. Et ce que je veux plus, c'est. Alors, on est contre quoi? Ça joue bête. Je pense pas que lui, je peux le garder. J'ai envie de mettre la menace là-dessus. Et il me faudrait un taunt aussi, putain. J'ai toujours pas de taunt. En vrai, bête, ça me dérange pas de start avec le cleave. Je sais pas, on va voir. Ok, des gemmes, je veux. Voilà une pièce d'or pour vous. Ça, on a dit que ça allait là. Ok, on peut finir avec un autre déflecto, ça me va. Et freeze la menace, ça me va aussi. On enlèvera probablement le cochon, ce tour. Le cochon est moins pertinent maintenant. Il nous aura bien aidé en tempo, hein, mais... J'ai plus besoin de lui maintenant. Est-ce qu'on joue vraiment le clivant 1? C'est la question. On l'a croisé, mais il y a 6 tours. Ça peut être pénible pour lui le clivant 1. Ah, les dragonnets, je me dis que ça va me faire mal. Hein. Les dragonnets, ça va faire très très mal à mes déflectos, je pense. Ça va être dur comme fight. Faut que les dragonnets viennent à droite ou quoi. Ça va être très compliqué. Mais... Je pense que j'aime bien le clivant 1 et on espère que ça fasse du sale comme pour l'autre. Si on gagne ce fight, on est top 3. Par contre, je pense que ça va être dur d'obtenir mieux. Mais en même temps, vu la gueule de mon triple, c'est déjà pas mal d'avoir fait top 4. Hein. C'est déjà pas dégueu, je pense. J'ai développé un intérêt irrationnel pour votre réussite. Continuez pour une analyse plus approfondie. Oi, oi, oi. En vrai... Bah, c'est juste qu'il va y avoir les petits dragonnets qui peuvent faire chier, mais je pense qu'on n'est pas si mal. Parce que là, les boucliers divins, bon bah, whatever. Bon, ça, du coup, c'est un trade un peu... Ok, au moins, il n'y aura pas de bouclier. Là, il fait quoi, le dragonnet? Ok, ça, je m'en fous. C'est un peu chiant, mais j'aime. C'est pas la fin du monde. Ok, on a notre reset, ça devrait être bon, du coup. Le truc, c'est qu'il fait très peu de dragonnets avec son board. Vu sur quoi il est parti. Top 3, du coup, nice. Nice, 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 le top 3. Boum. Et on peut peut-être... Ah, le Bruken, il va être dur à aller chercher, mais bon, on va essayer. Hein. On a dit quoi, que le cochon partait à ce tour? Yes, c'est vraiment le play correct de faire partir le cochon, là. Les gemmes et un reset supplémentaire, ça nous va, ça. Ça me semble être un bon tour. Mais du coup, il faut d'abord que j'enlève le cochon. Je préfère avoir de l'attaque sur lui que des plus 3 là-dessus, je pense. On met ça là. En lui. Et du coup, il faut que je le mette devant lui. Bah parce que je vais me prendre la foudre, donc il faut que j'ai un reset d'abord. Ok, le transfert, on le veut. Le temps ne s'arrête pour personne, c'est pour moi. Et ces quelques précieux serviteurs. Ah mais attendez, s'il a un baron, en fait la foudre ça va tuer mes déflectos, parce qu'ils ont pas assez de PV. Mais bon, je peux littéralement rien y faire. Hein. Je ne peux rien y faire. Est-ce que je fais pas quand même ça? En me disant que son taunt c'était ceci. Et du coup on met ça en deux. Ou alors ceci.
Je pense que ça, c'est peut-être notre meilleure chance. Ça en dit long sur nos chances. Et je pense que l'hydrant 1. Après, s'il a toujours son ARA, l'hydrant 1, ça peut faire quand même des choses. Parce que dans tous les cas, son raptor risque d'être à gauche. L'hydrant 1 peut vraiment être chiante pour lui, hein. Ouais, je vais garder l'hydrant 1 et ça rend le reste de mon positionnement un peu moins bizarre, je trouve. Fallait j'aime. Le problème, c'est que si j'aime les déflectos, bah tout mon board n'a pas d'attaque, donc c'était Vos compliqué pairs à sont faire. curieusement obsédés par la compétition. Mais vous semblez avoir du talent. Oh, mais il a zéro taunt. Ah, si, il a ça du coup. Mais du coup, on snipe son. Ok. Bon, je m'attendais à ce qu'il fasse la foudre, je vous avoue. Genre, mon positionnement est du coup incorrect, mais bah, je pense que je peux pas savoir que. Il va pas y avoir la foudre. Ça me semble compliqué à anticiper, très clairement. Mais attendez, on est bien là, non? Lui, il reset. Yes. C'est top 2, ça. C'est top 2. Par contre, le Roi Lich avec ses 38 PV et qui met des baffes à tout le monde. Après, cela dit, on a eu plein de gemmes pour jouer contre lui. A voir si ça peut être décisif. Boum! Top 2, top 2. Pendant cette performance. Il joue quoi, bête? Est-ce que j'ai envie de mettre un petit taunt? Non, je préférerais un gros taunt. Je vire qui? Bah, le reset, sûrement. Est-ce que je mets d'abord des gemmes en plus? Non, ça me va transférer ça. J'ai envie de booster la dernière créa aussi. Est-ce que je joue avec un gardien de bronze en dernier? C'est un bouclier divin, hein. Ah, il y a moyen de trouver mieux quand même, non? Retarder le recrutement des alliés Ah, est genre ça, c'est mieux, hein. optimal. Ça, c'est mieux, ça, c'est mieux. Du coup, on vire ceci. Enterrez les jours Transfert et les là. appartiennent au passé. Alors, on va mettre un boost sur celui de gauche. L'honneur est assuré de vous Parce que faire pourquoi porter dans les pas. combats à venir. On va jouer lui à blanc. Mettre le roll. Tout booster. Je pense que là j'aime bien l'hydrant 2. Je pourrais presque l'envisager en 3, mais. De me positionner comme ça. J'ai développé un intérêt irrationnel pour votre réussite. Continuez pour une analyse Ok. complète. L'hydrant 2 va clairement être pas mal du tout là. Ah, par contre. Ah non, ça va, il tue pas mon truc. Nice. Allez, l'hydre. Allez, l'hydre. On compte sur toi. Ouais, bah, c'est la dernière fois que je compte sur toi. Hein. En vrai, c'était ok. C'était ok. Pas trop faire les difficiles, c'était ok. Ok, l'hydre qui se fait cleaved. Attendez, mais il y a moyen de la top 1 cette game. On a beaucoup. Elle est dure à counter ma compo parce qu'on a beaucoup d'attaques et beaucoup de. Des petites synergies là. On a beaucoup d'effets, on a du cleave, on a des boucliers divins qui se reset, on a des choses. Par contre, on met pas beaucoup de dégâts, ça c'est vrai. C'est vrai que j'ai passé toute ma game Taverne 4. Votre victoire était inévitable. Qu'est-ce qu'on joue? J'ai même pas envie de toucher mon board. On level up pour mettre plus de dégâts et limite essayer d'aller toucher un. Attends, pourquoi je peux pas voir son board sur le tracker? Woot? Ok, très bien. Il avait quoi? Il avait une id. Je crois que c'était bien hein, ce qu'on avait là. Le cleave en 2 me semblait très bien. Ces trucs-là, j'en ai pas vraiment envie. Je pense qu'on peut up et limite on recherchera up. De toute façon, j'ai rien envie de toucher sur mon board. Le seul truc que je voudrais, c'est un triple sur le tremblote. Et encore, c'est même pas si utile que ça, tant que j'ai toutes mes gemmes chaque tour. Je voudrais plus de reset sur E. Mais en vrai, j'ai pas besoin de level up. Si je le fais, c'est pour les dégâts, quoi. Je vais d'abord faire mon tour de roll.
Voir si on peut trouver des petits resets ou quoi. Je veux pas plus de taunt. Ah, ça peut être bien à mettre de côté, hein. Histoire de rendre le deuxième déflecto chonky. L'œuf, ça peut peut-être être... Ouais, mais non, parce que du coup, je jouerais sans taunt. C'est hors de question que je joue sans taunt, non? Allez, le cleave, on croit en toi. Le freeze a probablement servi à rien. Yes, my bad. Le freeze était nul. Oh, pas mal, ce petit cleave. Et il va même pas avoir la place pour ses rip-up, du coup. Il a eu les gold rings, ce qui est pas mal. En fait, là, ce qui manque, c'est un reset garanti. Là, j'ai pas un reset qui soit garanti. Ok, on met de plus en plus de dégâts. Crains-nous, on arrive. Ouais, le freeze servait à rien, je crois. Le freeze servait pas à grand chose parce que j'ai besoin d'un taunt quoi qu'il arrive et yes, le freeze c'était une bêtise. C'est my bad. Est-ce que je up? Ah, y a bien moyen de trouver un petit truc à faire ce tour quand même. On pourrait en soi, ça ou ça, c'est pas exactement pareil parce que lui il a deux fois l'attaque donc non, ceci est mieux. Ça, je vois pas l'intérêt. Après, il y a peut-être un moment où il va mettre une goule, lui aussi, non? Peut-être, du coup, une raison pour mettre ça en premier, comme ça, lui, il meurt pas. On va pas jouer une goule nous-mêmes, ça, c'est sûr. Bah, sans remplaçant pour lui, je peux pas vraiment... Ouais. En fait, il est trop parfait, notre taunt, je me vois pas le remplacer. Sont curieusement obsédés par la compétition. Mais vous semblez avoir... Yep, il m'a goulette en effet. Mais du coup, on a été malin, on a mis l'autre en premier. Par contre, il a bel et bien reculé son cleave cette fois. Ah, attendez, ça peut être pénible ça. Ou j'ai besoin d'un bon cleave. Ah, comment ça va se passer? Il va récupérer plusieurs hydres? Ah ouais, mais elles sont plus loin. On a peut-être le temps de les snipe. J'aurais dû mettre le robot toutou devant par contre. Yes, ça c'était pas malin. Ce glyphe est mal. Ah, attendez, je crois que... Il y a moins que ce soit game là. Faudrait que je reclive. Un bon cleave. Oh oui, c'est un bon cleave ça. Ça c'est... C'est un bon cleave ça. Ok, faut qu'on réajuste encore un peu. Il y a du mieux, mais il faut qu'on réajuste un peu le placement, le toutou un peu plus avancé. En vrai, je peux dégager lui si on estime que c'est le dernier fight, lui peut bouger. C'est ça, hein. Ah, de toute façon, c'est le dernier fight, je meurs ou il meurt, hein. Il y a pas de... À moins qu'il y ait un match nul, mais c'est très peu probable. Par contre, on va éviter de donner les trucs de l'hydre dessus, hein. Quand même. Et du coup, on se trouve un bon dernier serviteur, là. Petit truc un peu sympa. Non. Bah, un bouclier, en fait, hein. Voilà, un petit bouclier, c'est bien, ça. On peut peut-être avoir un truc à coller. Non. Ça, si jamais ça continue, mais...
d'analyse plus approfondie. Il y a la goule. Oui, c'est vrai qu'il y a la goule. On l'oblige encore plus à avoir la goule. Ok, ça n'avait aucun sens, je suis d'accord, mais... Fais ce qu'on peut, hein. Il valait mieux un reset. Attendez, c'est gros ça. Ah. On va lose. Ok, le clip. Oh, match nul. On a vraiment fait le match nul. Non. Oh no. Le problème, c'est que le match nul, là, du coup, j'ai vendu mes générateurs de gemmes. C'est terrifiant, le match nul. Ok, on va prendre ça. Oui, non, le match nul, c'était pas dans les plans. Ok, on va prendre... Ah, il est pas très gros, hein, mais... J'imagine que ça reste ok. Est-ce qu'on veut pas reset lui aussi? Peut-être mieux de mettre le reset là-bas en vrai. Que sur lui. Un boost est un boost, les amis. Ce serviteur a de nombreuses perspectives qui s'offrent à lui. Ah, mais lui, il est juste nul. Les mortels sont curieusement obsédés par la compétition. Mais vous semblez avoir du talent pour celle-là. Oh là là. Attends, mais là on a calmé ces bails chelous là, non? Attention, l'hydre. Ouais, mais ça va, on a le reset ici. Là, il peut plus rien faire là. C'est fini là. C'est terminé là. Let's go, on l'a notre top 1. On s'en est sorti. On s'en est sorti. On était devant ou pas? Oui, on était encore devant. Un peu moins, forcément, vu que j'avais moins d'attaques sur mes créas, mais... Elle était bien, cette game, en vrai. Elle était bien construite et tout.